moi. Ta gueule. What the fuck? Qu'est-ce que tu dis, mec? Ouais, le petit nouveau, il a raison. Tiens, t'as le fiche, t'as le machin, pifiste. C'est inconcevable. Mais il est où, le dernier, quand on a besoin de lui? Mes amis, calmez-vous. Voyons, vous me connaissez. Moi, le tavernier du chat moussu, n'ai jamais vu, en plusieurs années à Milouège, des clients en colère parce qu'ils étaient morts de soif. C'est bien volé, ça. Ouais, je dis vive. Comment il s'appelle déjà? T'es con, il a dit qu'ils appelaient le tavernier du chat moussu. Aussi, messieurs, je n'ai que quelques mots à vous dire. Ta gueule. La vieille Berthe a un comportement un peu étrange. Non. Ce que je veux vous dire, c'est... Mes amis, j'offre ma tournée. C'est pas possible. On va se rendre sur le gosier, les gars. Oh oui, Tavernier du chat moussu. Venez voir. Eh bien, que se passe-t-il, mon brave? Quelle boisson désires-tu? Avant de finir carpette par terre, j'aimerais savoir... Ils viennent d'où, cette compagnie, à la table, là? Qui ça? Oh, j'en ai aucune idée. Mais ça fait depuis une semaine qu'ils boivent. Une semaine? Crébin bon. Je suis tellement triste. Mais non, dis pas ça, Oberon. Je suis là, je vais te faire un câlin. Non, toi tu m'approches pas. Allez, rien qu'un petit câlin. Non, sinon je te défonce ta gueule. Oh merde, j'ai tué une vache. Alors, ils en sont où dans leur bière? J'ai arrêté de compter. Et puis, je me fais chier. Dis-moi, Derkil, sont où les autres? Alric, il est parti se bourrer la gueule avec d'autres nains. Puis Oursac et Bébé sont partis, je ne sais où. Du coup, je suis obligé de garder ces deux-là. Tu t'approches pas de moi, toi. Allez, Oberon, fais pas ta pute. Vous m'avez appelé, les garçons? Mais non, il parlait pas de toi, Oursac. Moi, maintenant, on sait où est Oursac. Ta tête, d'ailleurs, elle fait quoi? Attends, je regarde. Pèse. Le nouveau bouffon est vraiment drôle, hein. Dégueulasse. Au moins, elle s'amuse. Un petit câlin. Oh putain, c'est le fort, je t'ai dit non. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est de ta faute. Mais ta gueule, connard. C'est le fort à dégriser. T'as une preuve de ce que t'avances, PD? Aussi, je me casse, j'en ai marre. Mais tu vas pas me laisser tout seul avec ces deux idiots. En plus, c'est en sac qui se... Cookies, parking, Coca-Cola, taxi, hamburger, week-end. Juste à côté. J'en ai rien à branler, moi j'ai des cheveux à peigner. Est-ce que je suis seule aussi à me soucier pour Bébé? 2624 of the dead? 2625 of the dead? 2006... Tu vas réellement compter chacune de mes gorgées, petit emmerdeur. Ouais, si vous voulez, je peux aussi compter le nombre de fois où vous respirez. Non, je souhaite simplement que tu la fermes. Après, je peux aussi... Putain, mets ta gueule. Of the dead? Mais en fait, pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que je fais à Mlioege? Comme tout le monde dans ce recoin non paumé de la terre de Fang, je me bourre la tronche. Ouais, mais c'est quand même bizarre. Quoi donc? Depuis le désert des plaintes, on vous a pas vu et comme par hasard of the dead, quand on arrive à Milouège, vous y êtes déjà. C'est simple, je marche vite. Ouais, quand même of the dead. Très vite, mais attends, what the fuck? Que vois-je à ta taille et à la ceinture à ta taille, dont je viens d'apercevoir à ta taille une chose qui m'a interpellé et dont je viens de m'esclaffer en te demandant que vois-je à ta taille? Quoi, South of the Dead? Oui. Ouais, c'est des trucs qu'on a trouvés dans les générateurs aléatoires. Les générateurs aléatoires? Mais dis-moi. Moi? Putain, mais tu es vraiment con, toi. Bref, sais-tu, guérisseur aux cheveux symétriquement incorrects que je suis lié à ces générateurs dits aléatoires? Car, dans aléatoire, il y a aléatoire, ce qui signifie que tu ne devrais pas avoir reçu de pièces d'armure de la même armure, à savoir celle de l'Human Power. Waouh! Mais comment vous faites pour en savoir autant sur ça? Moi, à part ma flûte et ma ceinture, je sais rien sur l'armure de l'Human Power of the Dead. C'est tout de même étrange. Est-ce que tu as déjà vu ma collection de générateurs aléatoires? Je l'ai ici, dans ma poche. On va faire un test ensemble. Tous les deux? Allez, fais-toi plaise. Ouais, mais comment il fait pour tenir dans votre poche? Ta gueule,
C'est magique. Pendant ce temps, avec Alric... Votre grâce. Et on tire la bobinette et la cheviette chère. Of the Dead, je comprends pas, Of the Dead. Normalement, y a pas un dieu qui arrive, qui nous explique que... Parce que là, c'est quoi? Montre-moi ça. Mes noms de dieux, de femmes de petite vertu, d'idiots, de maisons closes, d'homosexuels, de parties génitales, de... Cookies, parking, Coca-Cola, taxi, hamburger, week-end. Au grand vilain MJ, je viens à penser que tu détraques tout ce que tes mains gantées, sans poil et beaucoup trop agitées pour un humain, touchent. Vois-tu, cervelle dysfonctionnelle, il s'agit là d'une autre partie de l'armure de l'Human Power, le gant en cuir gauche et le gantelet en fer droit. Of the Dead? Ouais, mais ça sert à quoi? Le gant en cuir, à rien si ce n'est de te protéger du froid durant l'hiver. Par contre, le gantelet permet de localiser dans le monde ce que l'on souhaite le plus au monde. Cela peut être une personne, une ville ou même un coffret du grand vilain MJ. Ah! OMG! L'armure de l'Human Power est vraiment trop pétée. Il faudrait commencer à réfléchir sérieusement à des patchs. Wow! Mais c'est-à-dire qu'on peut trouver tout ce qu'on veut? Mais c'est génial, Of the Dead! Je vais pouvoir retrouver mes bottes! Really négué? Mais bon sang! Achète-toi une moelle épinière. Ouais, mais Oberon, il pourra retrouver son épée. Et puis Alric, il pourra retrouver sa hache of the Dead. Et puis peut-être même qu'on pourra savoir si c'est le fort, c'est une femme en fait. Ouais, merci beaucoup pour les achats. Moi, faut que j'aille prévenir c'est le fort. Mais c'est of the Dead. Non, mais... Vraiment? Mais allô, quoi? T'as un localisateur d'artefacts anciens et tu penses d'abord à tes pompes. Oh là là, il me donne mal à la tête celui-là. Allez, à la taverne. La beuverie ne fait que commencer. Selfor a-t-il reçu son câlin d'Oberon? Bébé a-t-il retrouvé ses ponts? Combien de gorgées le passeur a-t-il bu? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode. Ta gueule.